Voilà. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 41. Gloire à Jésus. Vous pouvez aller, si nous finissons trouver là ce matin. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et nous dire Amen. Voilà, nous pour prier le Seigneur pour la parole de Dieu ce matin. Seigneur, nous humiliez-nous devant toi ce matin. Nous pas dignes de toi, Seigneur. Te trouve tout à chacun de nous qui l'a ce matin dans sa lieu-là. Nous bisons toi, ô Dieu, nous bisons ta grâce, nous bisons ta bénédiction, Seigneur. Et c'est toi qui donne-nous la force, le courage. C'est toi qui permets nous pour avancer, Seigneur, pour triompher. Et combien me les louer toi ce matin pour tout ton bon bienfait, Seigneur, donne-nous la vie. Pour tout ce qui t'offert, Seigneur, ô Dieu. Oh, tu es un Dieu bon, toi, Seigneur. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu mérites la gloire, Jésus. Honneur à toi, louange à toi. Merci, Seigneur. Amen. Alors, le verset qui m'a pour mettre l'emphase ce matin, le verset 47, dans le chapitre, dans ces quelques versets qui nous lient. Le dernier partie du verset. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Libon nous comprend ce matin, frères et sœurs, c'est Dieu qui ajoute des âmes à l'Église. Moi, ou nous venons dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui n'attient nous. Amen. Pourquoi il dit ça dans Jean chapitre 12, il dit comme on pourrait être élevé, j'attirerai les hommes à moi. Le Seigneur, frères et sœurs, dit bon qui nous connaît, comment Dieu peut attirer les hommes à lui? Comment Dieu y ajoute des âmes à l'Église? Dieu n'a pas fait ça tout seul. Non, non. Le Seigneur est dans le ciel aujourd'hui. Mais la présence de Dieu est une réalité par la venue du Saint-Esprit 2000 ans de cela. Aujourd'hui, c'est pour cela que Jésus finit dire avec raison, il y a un avantage pour ceux qui m'ont allé avec ce bon disciple. Il dit quand vous pouvez aller, vous pouvez envoyer quelqu'un qui peut avec vous tous les jours. Donc là maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Il est en nous. Parce que pourquoi me dire où il est en nous? Paul vous dit avec les Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, moléco ou l'écho, chacun de nous, nous le temple du Saint-Esprit, habité par le Saint-Esprit, qui amène nous, frères et sœurs, pour trouver la réalité divine tous les jours, pour faire nous comprendre que Dieu est présent au milieu de nous. Sans quoi nous ne pouvons faire rien. Jésus vous dit clairement, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et livré, frères et sœurs, nous nés dans ce monde, nous tenons une vie terrestre, mais quand nous connaissons Jésus, à partir de là, une vie céleste qui nous commençait.
la vie chrétienne. Côté là, nous pas peut travailler, nous pas peut vivre pour ce monde, mais nous peut travailler, nous peut vivre pour le royaume de Dieu. À cause de ça, qui bon Dieu dit, malgré qu'il nous sur la terre, Dieu dit, nous cherche d'abord le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données. Amen. Donc c'est pour cela, donc nous la vie chrétienne, c'est une vie céleste, c'est une vie divine. Pour moi, pour vous. Et l'IPAP, mon pas, si mon vin là, si mon vin, mon connaît le Seigneur, mon pas, pourquoi, tape mon estomac, mon dire, mon connaît, mon tant la parole de Dieu, mon vin vers bon Dieu. L'IPAP, nous, frères et sœurs, c'est le travail de Dieu. Quand nous lisons les actes des apôtres, surtout, dans le chapitre 2 même, un petit peu plus en haut, quand Pierre finit son discours, après qu'ils ont fini recevoir le Saint-Esprit, quand ils sont réunis dans la chambre haute, quand Pierre finit commence son discours, il termine son discours, la Bible dit à nous, après avoir entendu ces discours, tout ça, c'est dans la foule, c'est ce qui nous lit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, en ce jour-là, étaient environ 3000 âmes, ce qui veut dire 3000 personnes s'y réunies. Et quand on écoute le discours de Pierre, on dit à Pierre, et ainsi, la Bible dit à nous comme ça, ils ont eu le cœur vivement touché. Ce qui veut dire, quand on canne la parole de Dieu, mon cœur est touché, mon bouleversé, et une réelle repentance. Alors, quand Banafin, il dit ben, avec Pierre, avec tout ce qu'il a, eh bien, Pierre avec les autres apôtres, il dit, oh, homme frère, que ferons-nous? Qui nous bise un frère? Il dit, simple, c'est qui Pierre dit aux autres. Pierre dit aux autres comme ça, repentez-vous. Alors, ce qui est important, frères et sœurs, moi avec vous, quand nous venons entendre la parole de Dieu, attirés par le Saint-Esprit, eh bien, par cette parole, nous venons repentir et nous tournons vers le Seigneur. Et il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça, frères et sœurs. Mais c'est moi, je vais montrer où. Alors, les lignes, quand nous descendons, nous remarquons, la Bible dit nous comme ça, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À part ces 3000 âmes qui nous sauvaient là, la Bible dit à nous comme ça, chaque jour à l'église, Dieu lui ajoute des âmes. Alors, moi pour montrer au travers de la parole de Dieu, tiens contribution, sa bande disciple là. Tiens contribution, toute sa bande personne qui s'y réunit, qui s'y priait, ça joue là dans la chambre. Et moi le fais à vous comprendre ce matin, frères et sœurs, peu importe nous l'âge, peu importe nous statut, peu importe combien de temps nous connaissons le Seigneur, mais nous n'avons pas de responsabilité pour qui des âmes, pour qui Dieu y attire des âmes à l'église. Faudrait pas qu'il nous prenne ça pour monnaie courant, mon vini, mon connaît le Seigneur, mon vini, mon assisé, sans pour autant réaliser l'engagement qui nous est à l'égard de Dieu. Et qui fait me dire ça aujourd'hui, frères et sœurs, plus que jamais, l'important. Il y a une grande importance. Parce que il y a l'impact, il peut impacter ceux qui sont autour de nous, nous la vie, il peut impacter nos prochains, il peut impacter nos voisins, il peut impacter nos collègues au travail, il peut impacter nous dans la société. Et il est important, frères et sœurs, nous seul but aujourd'hui, le seul but de notre existence maintenant quand nous venons connaître le Seigneur, c'est maintenant d'attirer des âmes à Jésus. Parce que sans Jésus, les hommes sont morts éternellement. La seule façon qui nous gagne la vie éternelle, c'est en Jésus. Alors, c'est ça, frères et sœurs, qui nous capables de dire, c'est notre mission, c'est notre tâche, c'est pour attirer les âmes à Jésus, à Dieu, à travers de Jésus, pour que ces gens obtiennent la vie éternelle, et pour qu'un jour, nous tous ensemble, nous rencontrer dans le ciel, dans le paradis, avec cette vie éternelle. Est-ce qu'ils ont croire cela ce matin? Bon, redis à vous, frères et sœurs, il n'est pas suffit qu'ils nous viennent l'église, nous assister, nous écouter, nous aller, non. Nous n'avons pas de responsabilité. Ce n'est pas si ça, Dimoun, qui l'a dans l'église, qui est responsable ou bien qui prêchait. C'est du tout seul qui est dans cette responsabilité. Chacun de nous, ce matin, ne n'a pas de responsabilité. Qui nous vient faire? Qui nous porte de responsabilité? C'est simple. Même quelque chose qui me peut dire aux autres, c'est même quelque chose qui est simple. Qui nous connaît. Mais pour toujours, God, reste dans ce contexte-là ce matin. Frères et sœurs, avant arrive ici, côte Pierre, il finit lever, il finit parler. La Bible dit à nous comme ça, Jésus t'y cause avec ce bon disciple quand il apparaît avec eux. L'une des autres comme cela, voilà maintenant, attendez à Jérusalem. Si nous l'avons, nous capables de trouver, dans le chapitre 4, chapitre 1, le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, veut dire avec ce bon disciple,
de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, la venue du Saint-Esprit. Alors, Jésus qui cause avec ce bon disciple. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, quand nous lisons, premièrement, ce qui veut dire, Dieu vient au donzot pour atteindre à Jérusalem. Et ce qui veut dire, nous disons, premièrement, si nous les trouvons quelque chose passé dans mon avis personnel d'abord, et qui aussi lui prend une influence dans mon environnement, surtout dans l'église, dans sa lieu côté moyen, une communion fraternelle. Premièrement, frère et soeur, l'important qu'il m'a quelqu'un qui obéit à bon Dieu. Maintenant, l'obéissance à la parole de Dieu. Tout bon succès dans la vie des enfants de Dieu, lui commence à partir là. Vous rappelez bien qui bon Dieu, tu dis à l'Éternel, tu dis avec Josué, quand après la mort de Moïse, côté là, frère et soeur, et la Bible dit à nous comme ça, Josué, tu viens prendre la relève, prendre la responsabilité et de prendre, de conduire, de diriger le peuple d'Israël dans la terre promise. Alors, c'était une grande responsabilité tout de suite après la mort de Moïse. Alors, Josué prend sa responsabilité. Comment il pourrait réussir? C'est pas comment dire Paul Rodman et Paul Rodman moyen humain pour toutes sortes de qualités stratégiques, pour Rodman qui chose ici. Eh bien, ban raisonnement humain, non. La Bible dit à nous, bon Dieu donne une comme si frères et sœurs, la clé de sa succès là. Comment tu pourrais réussir? Il dit, voilà, si toi écoutes mon commandement, les commandements qui m'ont prescrit à Moïse. Les préceptes qui m'ont donné à Moïse, si tu observes ce commandement-là, tu mets en pratique mes paroles, tout ce qui te vous faire, tu pourras réussir. Amen. Le succès, il trouve là. Le succès, il ne trouve pas dans l'intelligence. Malgré qu'il est important, nous intelligents, oui. Mais le succès, il ne trouve pas là. Le succès, il trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les hommes aujourd'hui, bon, vous dire une affaire, il y a grand monde dans le monde aujourd'hui. Grand homme d'État. Grand savant, grand intelligent, est-ce qu'ils ont ou tous autres péré ici aujourd'hui? Devant une calamité qui peut paraître, premièrement, devant une guerre qui peut faire ravage un petit peu, est-ce qu'ils trouvent l'intelligence de l'homme qui peut avoir sa vie? Un seul démon qui est capable de résoudre ce problème-là, c'est Dieu. Amen. C'est moi qui vous fais lire dans cette façon. Nous ne pouvons pas dicter lui. Pourquoi? Parce qu'on a un plan, on a quelque chose qui, bon Dieu, finit préparé, nous avons besoin de réaliser. Nous, tout simplement, nous restons sous. Les ailes de Dieu, cachées sous les ailes de Dieu, à l'abri du Très-Haut, pour qu'il nous capable d'être dans le repos, pour qu'il ne soit qu'il pas et pas affecté. Donc, frère et soeur, nous les disons, premièrement, c'est l'obéissance. La personne qui obéit à bon Dieu, qui soumet à la voix de Dieu, eh bien, frère et soeur, il peut avancer. Alors, il contribue pour qu'il bon Dieu tous des âmes. Parce que comme pour obéir à la parole de Dieu, ce qui veut dire, pour vivre la vie divine, pour vivre la vie selon la Bible. Alors quand nous vivons, vous connaissez comment nous vivons la vie tous les jours, il n'y a pas d'influence du monde, ça, hein? Mais quand nous vivons la vie chrétienne, quand nous vivons, frères et sœurs, parce que quand nous remarquons, frères et sœurs, ça va du monde là, qui dit, après qu'on écoute le discours de Pierre, je dis, homme, frère, que ferons-nous? Ce qui veut dire, finalement, l'influence, non seulement dans la parole de Pierre, mais de par ce qui vient de passer sa joue-là, parce que c'est un nombre de personnes qui sont là. Je ne trouvais, je ne témoins, frère et soeur, ben, qui sont extraordinaires, moi, les diaou, ben, qui sont divines, qui ne passaient, qui pas l'homme qui fait ça. Alors, ça ne bouleverse toute la vie. Alors, quand nous obéissons à mon Dieu, il y a quelque chose qui passait. Mon comportement, il changeait. Mon langage, il changeait. La bénédiction lui suit moi. Il y a un succès qui est derrière moi. Les hommes guettent mon avis. Les hommes guettent mon comportement. Les hommes guettent mon réaction dans ma circonstance un petit peu difficile. Je trouvais qu'ils n'ont pas pareil, qu'ils m'ont pas pareil, comment nous pas pareil comme les autres. Je remarquais, frère et soeur, malgré ma calamité, malgré ma problème, mais nous avons une assurance. Comment dire, nous gardons la tête bien, l'on nous épaule. Et cela n'est pas capable de bousculer nous, n'est pas bouleverse nous, parce qu'il nous a un Dieu qui est avec nous. Alors nous pouvons obéir à lui, nous pouvons garder ses paroles, lui peut garder nous. Libé protège nous quand les gens disent ça. Je dis, mais c'est pas pareil. Il y a quelqu'un dans eux. Je t'en vis qu'on est. À ce moment-là, ça m'a dit, Mouna, je t'ai attiré par Dieu vers Dieu. Amen. Amen. Alors, premièrement, l'obéissance. Et vous connaissez, dans ce temps qui nous peut vivre là, les boumans encore terribles ça. Dis-moi pas pour obéir. Dis-moi pour vivre dans la désobéissance. Je vous dis, frères et sœurs, dis-moi aujourd'hui,
Comment dire, je te PFA et je te réclame ce droit aujourd'hui. Réclamer nos droits, ce n'est pas l'obéissance. Non, non, non. Réclamer nos droits, c'est ce que moi, j'ai envie de faire. Je pense comme ça, moi. Je faire comme ça. Mais nous, les enfants de Dieu, d'abord, frères et sœurs, fais-nous, je fais-nous bien comprendre clairement ce soir. Dieu n'est pas un tyran, lien, non, non, non. Mais nous pas appartenir à nous. Nous finir être rachetés à un grand prix. Nous finir être, bien, frères et sœurs, Dieu ne tient moi dans cet état-là. Et donc, je pas appartenir à moi. Si mon asté, quand vous trouvez un bâtiment, vous achetez ce bâtiment-là. Veut dire, c'est où qui est propriété de ce bâtiment? Sa propriété qui est avant là, ou bien sa dimoune qui est là avant là, il n'est plus dans le droit là. Ainsi dans ma vie, la vie. Pourquoi, bon Dieu, ne savez-vous pas que votre temple est votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ce qui veut dire, le fait que Dieu fine, eh bien, frère, rachète-moi, et il vient tire-moi, il fait moi une sous-propriété, donc, mon bobisin, soumette-moi à Dieu. Alors, mon besoin, obéir à bon Dieu, frères et sœurs. Et comment pour obéir à bon Dieu? Nous ne sommes pas esclaves de Dieu. Quand nous obéissons à bon Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui nous poursuit, frères et sœurs. Amen. Alors, premier, c'est l'obéissance. Et puis, donc, nous remarquons qu'en prenant ça dans la vie, et qui pour influence la vie de l'Église, eh bien, frères et sœurs, on trouve des âmes qui viennent à l'Église. Souvent, je suis content de sa parole-là. Notre vie, il parle mieux que notre parole. Nous capables de dire une grande parole, mais qui pas reflète nous la vie, qui pas reflète la réalité de nous l'existence, de ce qui nous fait, de ce qui nous dit, de nos comportements. Mais ce qui parle mieux, c'est nous, eh bien nos comportements, nos réactions, nous la vie, qui parle mieux que notre parole. Alors faire attention, comment nous pouvons vivre? Si nous pouvons vivre à l'obéissance de la parole de Dieu, bien sûr, les hommes pour trouver un bienfait, quelque chose extraordinaire. Et puis deuxième frère et sœur, moi le dis à vous ce matin, toujours pour dire à vous quelque chose qui manque là. Hein? Les disciples qui entendent sa parole là avec Jésus, ça qu'un pas d'un côté, mais remarque bien, Dieu lui précisait, hein, lui dit avec ce disciple, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ce qui veut dire, il y a un lieu qu'ils ont besoin d'aller. Et une place qui bon Dieu indiqué. Alors Pierre Papouka a dit, moi je suis content à la Béthanie. L'autre petit cas dit comme ça, je suis content à la Galilée. Et l'autre petit cas dit, je suis content en Judée. Ou bien l'autre dit comme ça, je suis content dans Nazareth. Non, non, non. Ça qu'un tout pas dispersé. Tout une réunion, une seule place. Alors pourquoi une seule place? La Bible dit nous comme ça, tous d'un commun accord, dans le chapitre 1er, le verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Nous comprenons bien. L'obéissance à la parole de Dieu, premièrement, et puis une persévérer dans la prière. Ce qui veut dire, bon Dieu, pas dire, quand le Saint-Esprit vous descend dans la vie, je tiens tout simplement pour obéir et demeure dans la prière. Alors, c'est ça le but de notre réunion, de notre communion, de notre rassemblement. Nous venons là dans la présence de Dieu. Premièrement, frères et sœurs, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous venons pour demeurer, pour prier ensemble. Pour que tout à chacun de nous, nous capables, invoque le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons une liberté, nous avons une facilité, et la porte qui nous ouvre. La Bible dit nous comme ça, nous gagnons accès au trône de la grâce à travers de Jésus. Moi qui n'ai accepté Jésus dans mon avis, veut dire aujourd'hui, frères et sœurs, moi j'ai accès au trône de la grâce et une ouverture. Moi capable de parler avec Dieu. Dieu dit parle avec moi. Le moment qui mon bon Dieu fait une cause avec moi, mon obéir, lui laisse-moi le libre choix. Maintenant, moi capable exprimer moi lui, moi capable cause avec lui. Moi capable dire lui mon problème, moi capable dire lui mon souci, moi capable dire lui mon contrainte qui m'en a dans mon vie. Frères et sœurs, dit bon nous honnête. Eh bien, frères et sœurs, nous pas cacher quelque chose que Dieu déjà trouvé. Si moi n'a mon manquement, si moi n'a mon problème, si moi remarqué, quand Dieu peut causer avec moi, il n'a pas d'empêchement, il n'a pas quelque chose qui moi pas capable faire. Moi dire lui dans la prière, moi cause à lui, frères et sœurs. Veut dire quand nous nous réunis, eh bien, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous demeurons dans la prière et dans la puissance du Saint-Esprit qui manifestait là, frère et sœur. L'esprit de la prière, il manifestait. Alors, quand nous sommes dans sa qualité, la vie là, pas juste dans l'église, dans la maison, chez moi, à la maison, régulièrement, frère et sœur, nous sommes réunis ici, surtout, toute une famille qui vient donner notre équerre à Jésus. Et une culte famille, quand nous sommes réunis, nous sommes prier, ça capable d'attirer les gens, ça capable d'attirer nos voisinages pour remarquer qui voilà dans nous la
vie, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles. Il y a un rayonnement de joie. Il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Partout, il y a un bouleversement. Partout, il y a la crainte. Partout, il y a la peur. Toute cette qualité fléau qui attaque nos bonnes jeunes gens, nos bonnes jeunes filles. Mais il paraît qu'il y a dans sa famille qui est à côté de nous là. Zot en sécurité. Zot bien. Zot à zot l'église. Alors, ça pour amener zot pour comprendre. Mais qui zot est dans sa bandit moun là? Ça pour permettre zot pour tourner zot vers Dieu. Pour attirer zot vers le Seigneur. Amen. Je dis, le monde, eh bien, frères et sœurs, le monde en entier, je dis, sans réponse devant sa bande fléau, devant sa bande difficulté, devant sa bande problème de la vie là. Alors, par contre, nous en allons nos solutions là. Amen. Ou en allons ou en allons? Nous en allons Jésus. Amen. Nous en allons. Deuxième, la prière. Et frères et sœurs, la Bible dit à nous comme ça. Alors, il est important qui nous garde ça bien, frères et sœurs. Je dis, sa bande qui se lape et commence à diminuer l'obéissance et nos vies de la prière, les peut commencer à remplacer par les autres activités qui sont là, loisirs, qui sont qui peut prendre place. Aujourd'hui, vous remarquez, il y a toutes autres qualités, inventions, loisirs qui existaient aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce monde qui nous peut vivre, qui facilement prend tout nous les temps. Peut-être parfois 24 heures, nous ne trouvons pas assez pour ce loisir-là. Nous sommes capables de faire ça, nuit et jour, nous sommes capables de bien tomber dans sa bande piège du diable. Là, frères et sœurs, du matin au soir, peut-être pendant la nuit aussi, nous pouvons nous gagner par sa bande qui se qui éloigne nous de Dieu, qui permet nous vers le mal, qui permet nous pour commettre le péché, frères et sœurs. Alors, lit important, au lieu qu'il nous demeure dans sa bande, au lieu qu'il nous passe nous l'étang dans sa bande qui se là, préférable qu'il nous passe nous l'étang devant Dieu, dans la présence de Dieu, dans la prière, frères et sœurs. Et la Bible dit à nous comme ça, et sa bande disciple là maintenant, quand je viens et obéir à bon Jésus, je viens à Jérusalem, je viens dans la chambre haute, je suis en prière, le Saint-Esprit finit descendre dans la vie. Alors, vous voulez montrer où on a fait en parenthèse. Où est la vie remplie du Saint-Esprit? Pas oublier, c'est ça la fausse. C'est ça la différence qui nous est dans nous. C'est ça nos différences. C'est parce qu'il nous est dans le Saint-Esprit en nous. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui peut attirer les âmes à Dieu. Amen. Comment obéir? Comment prier? Le Saint-Esprit dit descendre. Zone obéir, zone prier, le jour de la Pentecôte, zone obéir à Jésus, zone aller dans la chambre haute, zone tout ensemble, zone en prière, le Saint-Esprit descend. Amen. Alors, lit important, frères et sœurs. Et quand le Saint-Esprit dit pour descendre, dit pour amener quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit à nous comme ça quand nous lit à lit. Et ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Veut dire qu'il y a une persévérance. Frère, je me disais, d'avoir si bon Dieu dit cela. Ce qui veut dire besoin et une persistance dans nous la vie. Faudrait pas qu'il nous vienne un jour dans la semaine, un dimanche, nous disons, on vient dans la présence de Dieu, après, dans un mois, qu'il me pourrait venir. Non, frère et sœur. Pourquoi? Me fait où comprendre? C'est une réunion qui nous vient de mettre peut-être dans la semaine, les jours de la semaine, et même dimanche. Les bibliques, ça. La Bible dit nous comme ça, il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, zone réunie pour écouter la parole de Dieu. Il persévérait dans quoi? Dans la communion fraternelle, je suis content d'être ensemble, frères et sœurs. Il persévérait dans quoi? Dans la fraction du pain, dans la Sainte Cène, veut dire, je suis content ensemble pour célébrer la Sainte Cène. Il persévérait dans quoi? Dans les prières, veut dire, c'est un moment de prière. Ce qui veut dire, c'est une persévérance dans tout sa bande. Et dans toute sa bande qui chose, qui bon Dieu finit montrer, qui le disciple finit établi, frères et sœurs, qui nous dit, tu m'as une première église, et bien dans les actes, et au temps des apôtres. Ce qui fait, frères et sœurs, le point important, qui nous ici, nous capables de persévérer. Aujourd'hui, mon Boudiaou, si nous pouvons gagner l'occasion pour une bonne réunion dans les jours de la semaine, à nous faire lire, frères et sœurs, il ne faudrait pas nous tomber dans la négligence. Si nous trouvons dans les dimanches, nous sommes capables de célébrer les cultes, nous venons, frères et sœurs, de tout cœur. Il ne faudrait pas que nous pensions à l'habitude là facilement, nous capables, et trouve une excuse pour nous pas venir dans une réunion dans les jours de la semaine, ou bien nous trouve une excuse pour nous pas venir dans une réunion de dimanche. Il faut que nous persévérer. Si, frères et sœurs, nous là assidûment, nous dans nos temples, nous dans nos réunions, nous dans nos rassemblements, nous dans nos communions, quand les gens guettent ça, frères et sœurs, vous n'avez pas envie de venir, vous n'avez pas envie de connaître, mais qui est dans là-bas, qui fait, eh bien, ça m'a dit, Mouna, ou tous autres régulièrement dans cette réunion-là, vous n'avez pas être attiré, et Dieu, quand vous venez là, bien sûr, la puissance du Saint-Esprit pour tous autres la vie. Pareil comme dans les temps des apôtres. C'était la persévérance. Frères et sœurs, pas oublier que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi arrive la fin? Non plus l'avènement du Seigneur, pourquoi arriver? Non, qu'on peut attendre, ni prêt. L'avènement de Jésus est très proche. Mais il faut que nous persévérons.
nous devons persévérer jusqu'au bout. Pas laisser n'en gagner nous. Pas laisser aucun problème. Et moi dis à vous, frères et sœurs, dans ce temps difficile là, dans ce moment pénible là, nous avons quelqu'un qui est avec nous, qui chaque jour, frères et sœurs, lui pour garder nous et lui pour permettre nous pour avancer avec Dieu. Amen. Et puis, troisième, quatrième petite chose qui nous remarquait, ce qui se tient, la Bible dit à nous comme ça quand nous lisons toujours dans sa chapitre que nous lisons là, le verset 43, chapitre 2. Il dit comme ça, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Veut dire, tiens, la crainte de Dieu. Ce qui veut dire, frère et soeur, la Bible dit à nous comme ça, dans Proverbe, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme premièrement. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ce qui veut dire, nous avons l'appui ferme, l'important, comme on dit, la crainte de Dieu, on ne peut pas dire, Père, bon Dieu, là, non, nous, bon Dieu, il n'est pas un tyran, on ne peut pas là pour Père, mais nous, là, pour un respect de sa présence. La crainte dans le cœur, frère et soeur. L'y pareil, frère et soeur, comme dans l'école, les enfants, vous êtes capable, comment on rentre dans la classe, il y a un brouhaha, il y a un tapas, il y a un bruit, mais comment le prof y rentrer? Tu restes tranquille. Bon, il y a des raisons. Il y en a qui sont capables, père professeur là, mais il y en a qui sont capables, il y a un respect pour le prof. Moi, un petit peu plus loin. Peut-être que mes enfants, ils ne sont un petit peu pas trop connus, mais nous, les adultes, quand nous rentrons dans la cour, peut-être nous sommes capables de causer, nous rentrer, nous persister, tout le monde persister. Comment le magistrat y rentrer, qu'arrivé? Mettez-nous debout, tout reste dans le silence. Ce qui veut dire, nous avons un respect pour ça, l'institution-là qui nous doit du respect à cet homme. Ça, c'est un homme. Mais à combien plus forte raison nous devons respecter nos bons dieux. C'est pour cela, me dit Aouli, frère et soeur, prends ça l'habitude-là, qui comment nous vient dans la présence de Dieu dans l'église. Le fait que Dieu est déjà présent, le fait que Dieu est déjà prêt à attendre nous, pas nous qui venons attendre bon Dieu, lui attend nous, lui donne nous rendez-vous, le fait qu'il est déjà là, soyons respectueux de sa présence, frères et sœurs, et nous mettons-nous dans la prière, nous mettons-nous dans sa présence. Alors, pas juste à l'église, mais le fait qu'il me prenne la crainte de Dieu dans mon travail, vous connaissez dans le travail, surtout dans nos lieux de travail, il y a beaucoup de choses qui passent, il y a du monde capable de tenter nous, il y a du monde capable, comment dire, de ridiculiser nous, il y a du monde capable de mettre nous dans l'embarras, de mettre nous dans une circonstance pour qui nous faire, mais si vous en a crainte, bon Dieu, peu importe qui se dit, moi pour connaître, moi pour un respect, moi dis avec bon Dieu, tout là, moi pas pour qu'à agir comme un ban là, moi pour qu'à cause comme un ban là, moi pour qu'à comporte comme un ban là, parce que tout là, ta présence est réelle, lié en moi, Seigneur. La crainte de Dieu, moi pour cause, même langage qui se cause. Allô, frère et soeur, moi j'ai respect pour bon Dieu parce qu'il est avec moi, et nous pas pour faire n'importe quoi. Connais beaucoup de monde. Il y a deux qualités de la vie. Il y a une vie peut-être quand il vient dans l'église, et il y a une vie en dehors. Et dans cela, peut-être il y a un autre type de vie encore. Frères et sœurs, mais si nous sommes dans ce Dieu-là qui me connaît, si ce Dieu qui me connaît quand je viens de l'église, il est là, et qui est avec moi, le chemin, dans mon travail, dans mon lacasse, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma madame, mon monsieur, eh bien, je prends le respect de sa présence. Moi, je ne peux pas dire autrement. Frères et sœurs, je prends la crainte de Dieu. Je vous dis, Seigneur, garde-moi. Protège-moi. Et la crainte de Dieu pour empêcher nous pour tomber dans le péché, dans le mal, dans une petite chose interdite. La crainte de Dieu pour empêcher moi. Alors, il est important, frères et sœurs, ce matin, qui nous capables de comprendre cela. Et cinquième petite chose, frères et sœurs, donc l'obéissance est importante, la prière est importante, la persévérance est importante, la crainte de Dieu est importante. La Bible dit à nous comme ça, quand nous lisons, frères et sœurs, dans deux chapitres, lisez ça. Chapitre 2, encore une fois, lisez-le, eh bien, dans le chapitre 2, verset 24, lisez comme ça, frères et sœurs, eh bien, Dieu l'a ressuscité en les délivrant. Et tout, le verset 44, pardon, tous ceux qui croyaient étaient dans le temple, dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Veut dire, c'est une unité. Dans le chapitre 4, lisez ça, plie bien encore, frères et sœurs, le verset, eh bien, 32, lisez ça, eh bien, voilà, lisez, et nous sommes témoins du Saint-Esprit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun, était commun entre eux. Je veux dire, c'est une unité. Je veux dire, vivre ensemble. Personne ne peut dire ça pour moi. Dans cette époque-là, frère et soeur, c'est extraordinaire. Si ce qui tient, tu peux porter avec ce qui n'est pas tient. Mais il dit quelque chose de librement. Pas de besoin, force les hommes, force des gens pour venir dire ça avant qu'ils soient là, pour venir faire ça avant qu'ils soient là. C'était normal. Donc, tu es tellement une unité. Tu peux vivre comme une famille, frère et soeur. Il paraît, comment dire, ou une famille dans la maison. Si vous pouvez sortir quelque part, eh bien, ou frère, ou bien, ou soeur, j'ai dit, mais bon, moi, pourquoi venir parce qu'il ne peut pas venir les moyens. Ou pour dire, mais venir, il faut faire tout pour toi. Il est comme ça, frère et soeur.
sœurs. C'est l'unité qui s'y peut vivre. Et dernière chose qui nous remarquait, frères et sœurs, la Bible dit nous comme ça dans les versets 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, veut dire c'est une croissance. C'est un développement. C'est une chose qui s'y passait. Alors, lit important ce matin, frères et sœurs, qui nous comprend bien. Voilà comment Dieu y ajoute des âmes à l'Église. Si moi, avec vous, tous ensemble dans l'Église, nous pouvons vivre dans l'obéissance, nous pouvons vivre dans la prière, nous pouvons vivre dans la persévérance, dans la crainte de bon Dieu dans les cœurs, nous unis ensemble, et ça, il peut apporter une croissance. Il n'y a pas une croissance juste dans l'Église, pour une croissance dans la vie, un développement dans la vie, ou même pour envie de grandir avec Dieu, ou même pour envie, eh bien, et faire du progrès avec le Seigneur. Et cela, il est pour réel quand nous vivons comme ça. Et ce qui nous passait dans la vie de ces bons disciples-là. Voilà ce matin, frères et sœurs. Bon, laissez quelques paroles là dans les cœurs. Alors, soyons des hommes et des femmes qui partent prenantes dans l'œuvre de Dieu. Pas la façon dont nous sommes capables, mon Dieu, pas dire des grandes choses, mais nous disons, et pour vivre la vie, de partir des âmes à Jésus. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Merci Jésus.